What should look mine? I'm confused. Like, so what's wrong with boundaries? I mean, what do you mean by boundaries? I'm uncomfortable. I'm uncomfortable. It's really making me uncomfortable. It is your mom. But she doesn't know boundaries. Tyler, why don't you understand? Okay, so can you all right, so I'm gonna give you an example. So if we was to go on vacation or I don't want to hear no example. What about how I feel? So it's your mom over me. You don't care about how I feel? It's a great balance between the both. But it's always you, but it's gonna be my mom too. Miss Audrey, ma'am. Mom, excuse me. Don't go, please. Tyler. Right. Shut up. Audrey, let me get you straight. That's my son. I don't know how you grew up or whoever raised you, but that's mine, okay? And that's what I need you to understand. It has nothing to do with you. My boundaries, you saying that I go in your stuff, no, I'm cleaning it because you're nasty. Tyler, I told you could have did better a long time ago. I love her. No, you don't. You don't know what, you couldn't possibly know what love is, Tyler. She's only with you for your money. No, I'm not. Yes, you are. What do you do for a living? You do nothing. I have an online business. You just want to sit here and be cute. I have an online business. But what money does it make? It's Tyler's money. It makes money. No, Tyler's money. It's not your money. Who asked you to come in here? No one asked me. My son pays bills here. You don't pay bills, sweetie. You don't pay bills. You pay no bills here. So are you going to let her talk to me? I can talk to her anyway. I please, because guess what? You came from me, Tyler. No, I'm saying, though. Come on. You can't be disrespectful. This is way too uncomfortable. You can't be disrespectful. You know what, Tyler? This is my lady. You can't be doing this too much. Coucou, je suis Ketsum, psychologue, et aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'aspect le plus négatif de l'archétype de la mère. Alors, l'archétype, c'est, voilà, on peut s'imaginer comme un personnage qui paraît inscrit dans l'inconscient collectif, comme un symbole ou un modèle primitif, universel de la nature humaine. Okay? Les archétypes de la nature humaine nous viennent de la réflexion psychanalytique, donc jungienne, du psychanalyste suisse du nom de Jung. Et donc, il s'est également arrêté sur l'archétype de la mère et on y retrouve plusieurs aspects dans l'archétype de la mère. Et aujourd'hui, je vais vraiment m'arrêter sur l'aspect le plus négatif de l'archétype de la mère, donc ce qu'on appelle the devouring mother, la mère dévoreuse. Alors rapidement, il existe 4 aspects de l'archétype de la mère. Okay. On a donc ce qu'on appelle the great mother, donc voilà. Mes recherches souvent sont du côté anglophone, donc j'ai plutôt les termes en anglais, donc peut-être pour ceux qui ont travaillé sur ces archétypes ont les termes en français, mais moi j'ai les termes en anglais, et donc peut-être que ma traduction française ne sera pas exactement celle qu'on trouve dans la littérature francophone, ok? Donc il y a ce qu'on appelle the great mother, donc moi je vais traduire par la grande mère, donc ce qu'on pourrait qualifier un peu dans la nature humaine ou dans le symbolique, la mère nature, celle qui nourrit, celle qui protège, celle qui guide l'humanité. Donc on peut penser vraiment à une représentation divine ou religieuse de la féminité. Ensuite, on a la mère nourricière, ok? Donc celle qui, voilà, on pourrait l'imaginer comme très compréhensive, qui prend ses responsabilités au sérieux et qui promet d'aimer et de prendre soin des siens en donnant de son temps et de son énergie. Ensuite, on a ce qu'on appelle la martyre, ok? Et donc, on a tout de suite cette notion de sacrifice. La vie de ses enfants passe avant tout, quoi qu'il en coûte, et ce, de manière totalement désintéressée, hein, quitte à se sacrifier, bien sûr. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur la mère dévoreuse, the devouring mother, donc vraiment l'aspect le plus toxique de l'archétype de la mère. Et on va commencer par, vraiment, j'ai trouvé, parce que j'avais toujours envie de faire cette vidéo, mais voilà, j'aime bien vous proposer un visuel et The Shade Room, plateforme qui propose des news sur les célébrités, ok? Donc, bien sûr, c'est noir américain, et donc on trouve de tout, et parfois, voilà, j'ai une pépite, un visuel qui explique vraiment ce dont je veux parler. So what's wrong with boundaries? I mean, what do you mean by boundaries? I'm uncomfortable. I'm uncomfortable. It's really making me uncomfortable. It is your mom. But she doesn't know boundaries. Tyler, why don't you understand? Okay, so can you, all right, so
I'm gonna give you an example. So if we was to go on vacation or I don't want to hear no example. What about how I feel? So it's your mom over me. You don't care about how I feel. It's a great balance between the both. But it's always you. But it's gonna be my mom. Miss Audrey, ma'am. Mom. Excuse me. Shit, don't go, please. Tyler, shut up. Audrey, let me get you straight. That's my son. I don't know how you grew up or whoever raised you, but that's mine, okay? And that's what I need you to understand. It has nothing to do with you. My boundaries, you saying that I go in your stuff, no, I'm cleaning it because you're nasty. Tyler, I told you could have did better a long time ago. I love her. No, you don't. You don't know. You couldn't possibly know what love is, Tyler. She's only with you for your money. No, I'm not. Yes, you are. What do you do for a living? You do nothing. I have an online business. You just want to sit here and be cute. I have an online business. But what money does it make? It makes money. No, it's Tyler's money. It's not your money. Who asked you to come in here? No one asked me. My son pays bills here. You don't pay bills, sweetie. Mom, you don't pay bills. You pay no bills here. So are you going to let her talk to me? I can talk to her anyway. I please, because guess what? You came from me, Tyler. No, I'm saying, though, come on. You can't be disrespectful. This is way too uncomfortable. You can't be disrespectful. You know what, Tyler? This is my lady. You can't be doing this. Pour ceux qui ne comprennent pas trop bien, qui comprennent pas très bien l'anglais, voici ce qui se dit un peu. On entend un homme qui exprime sa confusion. Et donc, la femme qui semble être sa copine, hein, ou sa partenaire, qui lui demande « Mais qu'en est-il des limites ? Je suis super mal à l'aise. » Et lui, « Comment ça ? » ?»« Oui, ça me rend vraiment mal à l'aise. » Et lui, de dire « Mais c'est ma mère. » Et ben elle, de dire « Ben oui, c'est ta mère. » Et ta mère ne connaît pas les limites. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? Et oui, bon, alors lui, de dire « Est-ce que tu peux... » Enfin, un exemple, si on devait aller en vacances, elle qui lui dit « Écoute, j'ai pas envie d'entendre tes exemples, qu'en est-il de mon ressenti ?» Et de rajouter « Est-ce que c'est ta mère au-dessus de moi ? Mon ressenti ne compte pas pour toi ?» Et lui, de dire « Ok, il y a une différence entre vous deux, moi ce sera toujours toi, mais ce sera ma mère également. » Et ensuite, on entend la mère qui entre. Et qui s'adresse directement à sa partenaire ou sa copine qui se nomme Audrey. Madame, excuse-moi, Tyler. Et lui qui, non maman, s'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît. Et Tyler la ferme. Et on entend le mec, alright, donc ok. Donc il accepte que sa mère le silencie comme ça devant sa go avec qui, on peut imaginer, il a des rapports sexuels. Donc que c'est un grand monsieur qui habite chez lui, qui est, semble-t-il, indépendant. Audrey, donc la mère qui s'adresse à cette Audrey-là, Audrey, laisse-moi être direct, c'est mon fils. Je ne sais pas comment on t'a élevé ou qui t'a élevé, mais lui, il est à moi. C'est le mien, ok? Et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes. Cela n'a rien à voir avec toi. Tu parles de limites, tu dis que je fouille dans tes affaires. Non, non, je nettoie parce que tu es sale. Tyler, je te dis depuis que tu aurais pu mieux faire. Oui, mais maman, je l'aime, dit Tyler. Non, non, c'est pas vrai. Tu ne sais même pas ce que c'est l'amour. Elle est avec toi pour ton argent. Et à Audrey de dire, pas du tout. Si, si, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Rien. Et à Audrey de rétorquer, j'ai un business en ligne. Tu veux juste rester ici ? J'ai un business en ligne. Oui, mais... ce business-là fait quoi comme argent? Il fait de l'argent. C'est l'argent de Tyler, dit sa mère. Ce n'est pas le tien. Et Audrey de demander, mais en fait, qui a demandé ta présence ici? Personne, dit la mère de Tyler. Mon fils paye les factures ici. Tu ne payes pas de factures, ma chère. Tu ne payes rien. Tu ne payes rien ici. Et à Audrey de regarder le mec avec qui elle couche, hein, certainement. Tu ne vas quand même pas la laisser me parler sur ce ton-là. Et la mère de dire, je peux lui parler donc à Tyler, son fils, je peux lui parler comme je veux, car devine quoi, hein, Tyler, tu viens de moi, Tyler. Et puis, Tyler qui tente une espèce de défense là de Audrey, tu ne peux pas lui manquer de respect, et donc Audrey de dire que, mais vraiment, c'est très malaisant, quoi, je suis vraiment mal à l'aise. Tu ne peux pas faire ça, il s'agit de ma lady. Et là, ça coupe, quoi.
Donc, la mère de Tyler ici est un exemple. C'est-à-dire que si on regarde la définition de la mère dévoreuse, il doit y avoir la photo de Tyler. Parce qu'elle représente vraiment cet aspect de l'archétype de la mère. Okay? Donc, contrairement aux autres aspects de l'archétype de la mère dévoreuse, elle, elle aime de manière égoïste. Si on peut même appeler ça de l'amour. Okay? Clairement, elle aime son... Je suis sûre qu'elle aime son fils. Ça, voilà. Mais elle ne sait pas comment manifester cet amour de manière saine. Okay? Elle prétend vouloir protéger son enfant des malheurs du monde, alors qu'au fond, hein, la mère dévoreuse, elle a peur de ne plus être utile à la société, de ne plus être utile au foyer, de ne plus être utile pour ses enfants, et de par là, donc, ne plus être aimée et être mise de côté. Elle a peur de finir seule avec elle-même. Donc, afin de rester utile, elle développe une relation de codépendance, ok, avec ses enfants, avec son enfant, ici, Tyler, hein, en essayant de le garder dépendant d'elle, hein, pour qu'elle puisse toujours avoir un mot à dire dans la vie de Tyler. Elle essaie de se rendre indispensable dans la vie de ses enfants, de son enfant, donc la mère dévoreuse, en lui faisant constamment douter de ses compétences, de son jugement. Et ça, on l'a très bien vu dans la vidéo, dans l'extrait de vidéo auquel on a eu droit. C'est quand il dit qu'il aime Audrey et qu'elle lui dit « mais tu ne pourrais possiblement pas aimer Audrey ou aimer quelqu'un, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour ». Donc, elle est gentille, donc la mère dévoreuse, envers son enfant seulement quand il lui obéit et quand il agit comme elle le désire. Sinon, elle le punit en agissant de manière agressive afin d'instiller en lui un sentiment de culpabilité. Hein? Quand elle lui dit, elle utilise aussi la possessivité, quand elle dit « Tyler, tu viens de moi, je peux donc décider de comment je vais m'adresser aux personnes d'intérêt pour toi, parce que tu es de moi, tu viens de moi, tu es mon fils, tu es à moi. » Et la mère dévoreuse a aussi tendance à finalement à avoir des comportements typés presque incestueux, en fait. Parce que, voilà, il n'y a pas de limite en ce que Tyler représente pour elle. La mère dévoreuse, elle est contrôlante, obsessive, possessive, donc contrôlante, donc elle essaye justement, donc là, le problème de ici, de ce qu'on entend, c'est que elle fouille dans les affaires, en tout cas, elle dérange et arrange les affaires du couple dans l'appartement ou dans, en tout cas, le foyer de son fils, et elle se donne tous les droits de le faire parce que c'est son fils. Donc elle est contrôlante, obsessive, parce qu'apparemment, elle se permet de dire à son fils quel type de femme il est censé avoir, et cette femme-là n'est pas adéquate pour lui, alors que finalement, elle a l'air très adéquate, hein. Peut-être pas pour lui, mais à cause de sa mère. Hein. Possessive, donc très clairement, hein, j'ai même plus besoin de le dire, c'est mon fils, il est à moi, c'est lui qui paye les factures, donc j'ai le droit. Dominante, autoritaire. Hein, on sent à travers les yeux de Audrey que cette femme-là, quand elle s'adresse à elle, s'impose à elle. De toute façon, elle s'impose à la situation. Elle s'impose dans la pièce où il se trouve. Elle s'impose dans la discussion. Et elle s'impose même de par sa présence quand elle avance de manière agressive près de Audrey. Et ensuite, elle insulte même Audrey. Donc, elle devient violente, au moins verbalement. C'est-à-dire que, voilà, je suis obligée de nettoyer en gros parce que tu es sale. Et tu es vénale puisque tu es avec mon fils pour l'argent. Et donc, à force de surprotéger son enfant, ses enfants, les enfants finissent par se sentir engloutis, se sentir étouffés par leur mère. Okay? Ce sentiment de culpabilité développé au fil des années freine ses enfants à s'émanciper
et à se libérer de cette relation toxique avec leur mère, hein, cette mère-là qu'ils ne veulent pas abandonner. Alors, je tiens à dire que la mère dévoreuse n'est pas simplement une mère dévoreuse envers son fils. Elle peut être une mère dévoreuse envers sa fille. Mais voilà, les choses se jouent différemment puisque voilà, la fille est le modèle de mère et le fils est le modèle de la mère n'a pas les mêmes conséquences dans les relations, ok? Mais là, très clairement, on peut imaginer qu'il n'y a pas de père, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la présence du père. Donc, il peut y avoir un père présent physiquement, mais émotionnellement, intellectuellement, c'est-à-dire il n'était pas là à jouer son rôle de mari pour protéger l'enfant, pour que l'enfant n'ait pas l'impression qu'il doit lui protéger cette mère-là. Donc, il n'y a pas le rôle de mari pour cette femme-là et il n'y a pas le rôle de père pour protéger donc cet enfant d'une mère dévoreuse. Et donc, pour le fils qui n'a pas eu cette image de père, ben, c'est difficile pour lui de se représenter comment être un homme dans une relation avec une femme s'il a grandi avec une mère aussi toxique que la mère dévoreuse. Mais on reviendra là-dessus. Et aussi parce que s'il y avait un homme auprès de cette femme-là, il n'aurait pas peur de vouloir, il n'aurait pas cette culpabilité de ne pas vouloir abandonner cette femme-là, qui n'est pas en fait sa responsabilité. Il est censé voler ses propres ailes et créer et maintenir sa propre famille. Donc ces enfants de la mère dévoreuse deviennent des adultes qui développent beaucoup de peur, sachant que cette femme-là a pris beaucoup de place dans leur quotidien puisqu'elle a tout le temps voulu être indispensable dans leur vie, donc les empêchait de grandir, donc les infantilisait beaucoup. Ces enfants, ce sont des enfants en règle générale qui doutent de leurs décisions, hein, puisque la mère a souvent critiqué ou jugé leur choix. Ces enfants se sentent incapables. Transgressés dans leurs limites plusieurs fois par leur mère, ces enfants-là n'ont pas appris à établir, maintenir et renforcer leurs limites. Ils ne savent pas se défendre, encore moins défendre leur partenaire. Hein? Parce que là, le cul entre deux chaises, hein, comme il dit, vous n'êtes pas pareil, c'est toi, mais ce sera aussi ma mère. Donc, il a une grosse... Il se sent... Mais quelque part, comme le partenaire de sa mère, il n'arrive pas à prendre position. Bon, là, on va dire que c'est comment on appelle ça? C'est pas aussi facile que ça, puisque, encore une fois, c'est sa petite amie. On ne sait pas depuis quand ils vivent ensemble. Enfin, voilà. Voilà les histoires de petite amie, là. c'est pas simple. Parce que si c'était sa femme, ça aurait été bien plus clair. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, on abandonne ses parents, des choses comme ça. C'est absolument pas ce que je veux dire. Mais normalement, les parents ne sont pas la responsabilité des enfants. Maintenant, je sais que dans nos cultures africaines, cette réflexion-là, elle n'est pas aussi simple que ça. Le problème étant que si on n'a pas appris à établir, maintenir et renforcer nos limites, il est probable que ces enfants-là reproduisent le même type de relation hors du cadre familial et tout simplement rejouer un rôle qui est connu, hein, et appris dans le contexte familial. Hein? Et donc, quand la maman dit que tu ne pourrais possiblement pas savoir ce qu'est l'amour, c'est à cause d'elle. S'il ne sait pas. C'est à cause d'elle s'il est incapable de prendre position ou quoi. Et elle a même pas tort, mais c'est de sa faute. C'est de sa faute. À la mère. Et voilà. Je veux dire que la mère n'a pas fait l'enfant seule. Où est le père? Ça, c'est une question que je pose souvent. Où est le père? Et donc ici, voilà, dans cette vidéo de Shade Room qui posait la question, voilà, comment vous géreriez la situation avec votre partenaire et son parent? Voilà, la situation, comme je dis, n'est pas très claire parce qu'il s'agit de boyfriend-girlfriend, là, hein, et donc ce statut-là ne représente rien dans la société,
Même si ça blesse, c'est vrai, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien exiger avec ce statut de boyfriend, girlfriend, ok? Donc, elle, si... Enfin, voilà, moi, je suis elle, mais c'est facile à dire quand les sentiments sont pas... sont pas là. Mec, bon courage, au revoir. Hmm? Mais en fait, moi, la question que j'aimerais poser, c'est comment géreriez-vous la situation si vous aviez une mère dévoreuse? Le plus important, c'est de pouvoir s'émanciper du parent du sexe opposé, donc ici la mère, afin de gagner en maturité émotionnelle et donc de grandir émotionnellement hors du joug, hein, de la mère dévoreuse. Hein. On sent que pour Tyler, là, le travail n'est pas encore fait. Il essaye de faire son bonhomme, il n'y arrive pas. Ok? Et pourtant, c'est la seule manière d'être complètement présent et investi dans une relation intime. Et c'est pour ça que je parlais d'un contenu un peu incestueux envers la mère dévoreuse et son enfant. Parce que, voilà, la mère, elle est là dans le couple. Elle est trop présente dans le couple. Et à continuer comme ça, peut-être qu'elle était juste là en visite, mais à partir de là, elle a créé un gros problème dans l'intime, dans la relation intime de ces deux protagonistes-là. Hein? Et donc, si on ne s'émancipe pas de cette relation, hein, avec le parent du sexe opposé, hein, donc Tyler ici et sa mère, Audrey se sentira toujours comme la seconde roue du carrosse. Et si Audrey, qui a l'air d'avoir conscience des boundaries, donc des limites, des choses comme ça, si elle se laisse happée dans cette situation-là, elle risque de souffrir. Et voilà, ça me ferait savoir qu'il y a quelque chose aussi d'instable au niveau d'Audrey. Pour l'instant, c'est pas du tout ce que je remarque. Bref, afin de se séparer proprement du parent du sexe opposé, il est nécessaire de guérir la relation avec le parent du même sexe. Ok? Donc Tyler, encore une fois, où est son père? On ne sait pas. Si son père existe, qui reprenne contact avec son père? Il est possible que son père lui donne plein d'informations, hein, et que son père le reconnecte à cette identification d'avec un homme. Ok? Parce qu'il a besoin de guérir donc cette relation donc avec le parent du même sexe, hein, et de travailler sur cette identification aux parents du même sexe, donc ici le père de Tyler, et de retravailler le lien avec le père de Tyler. Voilà. Si son père est inconnu au bataillon, on ne sait pas où le trouver, il est important que Tyler puisse trouver des figures paternelles stable, qui puisse le reconnecter à une image positive, hein, de ce que c'est qu'un homme, de la représentation, de l'identification à un homme, c'est-à-dire ce que Tyler est, hein, mais ne sait pas être. Hein. Pour pouvoir aimer complètement une femme, un homme doit s'aimer ou, voilà, s'aimer c'est peut-être fort, mais en tout cas s'accepter en tant qu'homme, et vice-versa, ok, hein, pour pouvoir aimer un homme complètement, une femme doit s'accepter en tant que femme. On est là dans des relations hétérosexuelles, c'est ce que je connais. Et pour ça, il doit être accepté et entouré d'autres hommes, à commencer par son père ou d'autres figures, donc paternelles, si son père n'est pas accessible. Ok? Tyler, ou en tout cas ses hommes, sous le joug d'une mère dévoreuse, il devrait reconnaître sa colère envers sa mère, ok? La colère n'est pas un sentiment négatif, n'est pas une émotion négative, c'est une émotion qui donne des informations. C'est l'expression de l'émotion qui peut être négative, ok? Donc, on a le droit de reconnaître sa colère envers des parents dysfonctionnels, envers donc sa mère dévoreuse. Il va falloir trouver des moyens constructifs de permettre à cette colère de s'exprimer. On peut imaginer, par exemple, d'écrire une lettre à sa mère sans se restreindre, donc une lettre qu'on n'aura pas besoin d'envoyer,
mais une lettre où on peut exprimer toute sa colère aussi, voilà, aussi crue possible, hein, quitte à déchirer ensuite la feuille ou sous je ne sais pas quel rituel, l'enterrer quelque part, enfin voilà. Il faudra également établir, maintenir et renforcer des limites. Et ça, c'est très, très compliqué quand on a passé son enfance à être transgressé émotionnellement, transgressé donc physiquement, hein, transgressé intellectuellement, transgressé spirituellement par une mère dévoreuse. Hein? Et donc ça, c'est des choses que vraiment, si c'est compliqué, n'hésitez pas à travailler avec des personnes qui, voilà, qui sont assez stables pour faire ce travail-là avec vous, ou travailler avec un ou une psychologue pour l'établissement, le maintien et le renforcement des limites. Et c'est vraiment tout ce travail qui vous donnera le plus de chances d'avoir une relation fonctionnelle. Puis, Tyler, ou donc les hommes qui ont grandi sous le joug d'une mère dévoreuse, doivent aussi, ces personnes-là doivent aussi gérer leurs sentiments envers leur père. Hein? Donc, travailler cette question d'abandon, hein? Hein? Cette question d'avoir été laissé là pour gérer les peurs, et la solitude de la mère, avoir été abandonné avec ce genre de mère qui a très certainement beaucoup de dédain pour les hommes. Donc ça, c'est aussi un travail qui devra être fait. Tyler, ou des hommes comme Tyler, dans la situation de Tyler, doivent également passer du temps avec leur père ou avec une autre ou d'autres figures paternelles. Encore une fois, pour se connecter avec... voilà, l'essence de ce qu'ils sont, ok. Il devra aussi, donc Tyler, apprendre à gérer ses sentiments de culpabilité envers la mère, quoi. Quand il devra surtout, par exemple, établir des limites, hein, peut-être mettre un petit peu plus de distance entre lui et sa mère, donc la culpabilité de, voilà, de devoir, peut-être pour lui, abandonner sa mère, hein, de travailler le fait que la mère n'est pas votre responsabilité en tant qu'enfant. Vous devez aller de l'avant et construire votre propre foyer pour lequel vous serez responsable. Et pour tout ce travail, donc proposé à travers les quelques points que voilà, que j'ai suggéré, voilà, d'être soutenu par un groupe d'amis, par un, voilà, un groupe de soutien. Et également pour ceux qui, voilà, qui n'ont pas ce soutien-là, ou pour qui ce soutien-là n'est pas suffisant, de se faire aider par une psychologue. Voilà. Donc vraiment, la mère de Tyler ici est vraiment la représentation de la mère dévoreuse. Donc l'aspect le plus négatif de l'archétype de la mère. Hein. On voit que, voilà, qu'elle est contrôlante, qu'elle est super protectrice, mais encore une fois, de manière égoïste et pas de manière altruiste. Elle est possessive, dominante, autoritaire, voilà, à caractère, voilà, violent, quoi, puisqu'elle est au moins violente verbalement. Et c'est quelqu'un qui est exténuante psychologiquement et émotionnellement pour l'enfant, quoi, qui ne sait jamais sur quel pied danser, parce que quoi qu'il fasse, il aurait dû faire mieux, il aurait pu faire mieux, il n'a pas bien fait, il n'a pas bien choisi, hein. Donc ce sont vraiment des enfants qui doutent de leurs compétences et qui se sentent incapables, parce que c'est toujours ce qu'on leur a insufflé depuis qu'ils sont petits, hein. Donc cette la mère de Tyler, elle est chez son fils. Hein, il semblerait que sa copine vive avec lui. Hein. La mère s'insère dans une discussion entre le couple, s'insère dans une pièce, s'insère dans la discussion. Hein. Le fils essaie de l'empêcher de s'immiscer dans cette situation. Elle lui dit carrément de la fermer. Chez lui, un grand garçon, un homme, et lui décide de s'écraser devant sa lady. Comment vous voulez que cette lady-là ait envie, enfin, se sente intime
avec ce petit garçon. Cette mère-là manque de respect au couple chez eux, ou même chez son fils adulte, ok, en s'approchant d'elle de manière très agressive, comme si elle pouvait devenir violente. Hein. Elle montre sa possessivité envers son fils, un homme, chez lui, hein, devant sa lady. C'est mon fils, il est à moi, il est mien, c'est ce que je veux que tu entends. C'est ce que je veux que tu comprennes. Elle finit par insulter cette femme-là. Hein? Que si elle nettoie ses affaires, c'est parce qu'elle est sale. Hein? Elle impose ses services chez son fils parce que ce sont une bande d'incapables. Donc, elle, incapable de faire de l'argent, donc elle profite de son fils, incapable de ranger ses affaires, de nettoyer ses affaires. Lui, incapable d'aimer correctement une femme. C'est vraiment la mère qui doit le conseiller, voilà, qui sans lui, sans elle, ce serait la fin de sa vie pour cette mère-là, qui impose ses services. Hmm? Que depuis, elle dit à Tyler que cette femme-là n'est pas bien pour lui, qu'il a mal choisi, qu'il aurait pu faire mieux. Et pourtant, Tyler, il dit l'aimer, hein. Mais bon, c'est un incapable. Comment pourrait-il savoir ce que c'est que l'amour, hein? Parce que le seul exemple qu'il a, c'est quoi? Cette mère dévoreuse, comment pourrait-il savoir ce que c'est que l'amour, hein? Donc cette femme-là montre, donc la mère de Tyler montre une telle obsession en ce qui concerne la vie amoureuse de son fils qu'il y a un caractère incestueux dedans, quoi. Mais c'est clair qu'il n'y a pas eu, il semblerait, hein, qu'il n'y a pas eu de père pour trianguler cette relation, voilà, duel entre Tyler et sa mère. Donc Tyler qui ne sait même pas finalement quel est le rôle d'un fils. Et quel est le rôle d'un homme? Et donc, quand la jeune femme lui demande qui l'a invité dans cette discussion, elle rétorque à cette femme-là qu'elle n'a pas besoin d'être invitée quelque part parce que c'est son fils qui paye les factures. Et comme son fils est un prolongement d'elle, elle a tous les droits sur lui et sur sa vie, semblerait-il. Très, très narcissique. Voilà. Donc, si vraiment des personnes comme Tyler se retrouvent à ne pas savoir comment fonctionner en tant qu'homme dans une relation intime parce que ils ont été élevés par une mère dévoreuse, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà connu quelqu'un qui a une mère dévoreuse. Faites part de vos expériences et de vos connaissances et on se capte à la prochaine. Peace.